de passage à Méholles-en-Revel dans les Alpes de Haute-Provence, fait une pause à l'église Saint-Antoine de la Verque. L'église actuelle, dédiée à Saint-Antoine, date du XVe siècle. Elle est représentative de l'architecture religieuse rurale de Lubaye, avec une nef simple à deux travées et un chœur dont la séparation est bien marquée par un arc triomphal. Le clocher-tour, entièrement refait en 1892, est du style roman provençal. La cloche, datant de 1735, a été remplacée il y a quelques années. Deux grands tableaux restaurés se trouvent dans l'église. Le premier, datant du XVIIe siècle, est un ex-voto d'Hespérite Nicolas, curé de la Verque, et le second, plus ancien, représente saint Antoine guérissant un possédé. Le vallon du La Verque a été inscrit en 1981 à l'inventaire des sites pittoresques du département. La municipalité y a déjà réalisé de nombreux travaux depuis 1975. Cependant, d'importants problèmes d'humidité nécessitent de poursuivre la réfection de l'intérieur de l'église. Le prix de la Fondation du patrimoine, partenaire du concours « Un patrimoine pour demain » de Pellerin, permettra d'amorcer cette nouvelle tranche de restauration et d'ainsi préserver un patrimoine prestigieux, cher aux habitants et aux membres de l'Association pour la protection et l'aménagement du vallon du La Verque.